Oh les amis, salut. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie si mon briquet marche. Pourquoi? Bah, parce qu'on y retourne dans ce damné jeu. Quel jeu? Visage. Marche pas, hein, la pierre est morte. Bon, c'est pas grave, on y va. Visage, nous voilà. Alors, le temps que ça se lance, petit récap. Visage, jeu bien tendu, quoi. Ouh, l'horreur est toute psychologique et c'est rien de le dire. Et oui, il faut se tenir un petit peu à carreau puisqu'on est dans une baraque, on est un peu enfermé dedans et il se passe des événements pas très normaux. Non, j'ai pas dit paranormaux, j'ai dit pas très normaux. Et du coup, ben, on n'emmène pas large, surtout que ça nuit à la santé mentale, vous savez, celle qui rend fou. Et donc, du coup, ben, il faut faire très très attention dans le jeu, il faut rester dans la lumière, il faut éviter de faire certaines rencontres des fois qui peuvent porter préjudice, on va dire. Et puis, il faut essayer de dénouer la trame en arrière-plan, puisque le jeu a commencé quand même sur quelque chose de très trash, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de buter les membres de sa famille, si on regarde bien. Et ce quelqu'un, j'ai bien l'impression que c'est moi. Je voudrais pas spoiler, mais quand même, on le sent un petit peu venir, malgré tout. Alors, je n'ai toujours pas décidé si je faisais la diffusion des streams avec du montage vidéo pour couper les longueurs, ou si je balançais les streams bruts. Parce que je suis mitigé, puisque les 1,25 et l'autre c'est 1,51, ce sera mieux. Et que donc, bah, c'est intéressant d'avoir le jeu dans son intégralité, puisque vous sentez la tension qui monte grâce aux longueurs, justement. Et du coup, c'est quand même pas mal, mais ça nous fait des streams quand même assez longs. Là, j'ai quand même 3-4 heures de rush déjà de côté. Alors je pense que je vais couper la poire en deux et je ferai du montage, des passages vraiment longs qui vont sauter quoi. Mais ayez quand même bien conscience que le jeu justement tient sur ça, c'est-à-dire cette pression permanente. Alors pour reprendre, là je suis là avec mon appareil photo. Hihi. Et donc bah. Il faut que je passe là-bas, mais là-bas, quand je vais vouloir y aller, il y a quelqu'un qui va vouloir que je n'y aille pas, donc qui va pas vouloir que j'y aille, quoi, si on traduit bien. Fais voir la gueule de mon inventaire. Ça va, je suis pété de briquet, c'est la fête. On va s'allumer ça déjà. Hein? Hein? Y a personne là. Alors, j'ai réussi à sortir de la baraque à un moment, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Oui, je fais pas de trucs en même temps parce que je sens que je vais passer à côté de quelque chose et ça va être regrettable. Et donc je suis sorti de la baraque, mais j'y suis revenu d'une manière très bizarre et du coup on comprend pas tout là. Et j'ai une petite, c'est mon ami. Enfin mon ami entre guillemets. Hein. Qu'on peut entendre un peu au loin. Elle est dans le coin. Je sais pas où, mais elle est dans le coin. Elle fait de l'asthme un peu. Elle est où cette conne? Je la vois pas. C'est bon, y a rien. Y a rien. La base. Donc du coup, heureusement qu'elle fait un peu d'asthme parce que je l'entends venir. Mais mieux vaut pas que je la rencontre. Ceci dit, elle est pas très loin. Je suis très content qu'il n'y ait pas de retour caméra. Je suis très très content qu'il n'y ait pas de retour caméra puisque là je suis devenu tout pâle. J'étais en train de vous expliquer et je m'attendais pas à ce qu'elle soit là. J'étais persuadé de l'avoir un peu semé. Et donc mon amie, bah, vous voyez, elle est très joueuse parce qu'elle aime bien me sauter dessus et m'arracher la mâchoire apparemment. Parce qu'elle a un petit problème hein, si on regarde bien son visage. Donc but du jeu, arriver à sortir de cet endroit parce que là je suis enfermé. Cette zone là je peux pas aller plus loin. Et donc, prends mon air le plus détendu. Oh yes.
allumer cette bougie? Eh? Pourquoi je peux pas l'allumer du nœud? Voilà. On n'y voit pas mieux, mais je vais vite me barrer. Que pourrait-il se passer de dramatique? Absolument rien. Je voudrais bien un notaire ou quelque chose d'assimilé pour me. Alors oui, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer avant que le mode panique arrive. Quand je suis revenu de l'endroit extérieur, je sais pas où c'est, hein, où j'ai fait mon trip, je suis arrivé là-dedans, donc dans la baraque où j'étais, et quelqu'un avait arraché tous les interrupteurs. Sachant que la lumière joue grandement sur votre état mental, autant vous dire que ce fut pas une découverte joyeuse. Alors, il me semble que j'avais abandonné des. Peux le prendre ça. Putain, mais qu'il est con avec ses deux mains. Tu peux pas en avoir trois comme tout le monde. J'avais abandonné des bulbes de lumière là. Si je ne m'abuse pas. Ouais, regardez-les, ils sont en train de l'éviter. Bah oui, c'est le futur ça. Le futur c'est maintenant. Il n'y a même pas un petit bout d'interrupteur là. Si, celui-là, regarde, il va marcher. Schnitzel, c'est chiant au pad. Alors j'ai le choix entre. Oui, quand on veut changer les trucs dans son inventaire, il faut enlever ce qu'on a dans les mains. Et c'est vraiment le bordel parce qu'il faut qu'il fasse lumière un petit peu, quoi. Et du coup, j'ai pas les retours à fond, donc je l'entends pas trop venir, la pépette. Pourquoi je prends cet air penaud? Quel air penaud? Hop. Je l'entends, je l'entends. Je l'entends. I hear you, bitch. Prends ce bulbe. Et le flash qui met du temps à se déclencher aussi, c'est un calvaire. Personne là. N'ayez pas peur, vous êtes avec Monsieur K. Elle est pas loin la pépette, hein. On n'a pas fini de se courir après, moi je te le dis. Où qu'il est le bébé? Où qu'il est le bébé? Il est où, il est où? Oui, j'emmène pas sur. Pas ma mâchoire, je vais vachement arriver à en parler après. Ah, ça a l'air merlant, hein, hein. Et c'est ton nom, hein. J'ai un stream à faire. C'est merlant. Donc vous voyez, la pépette, elle a tendance à coller là en ce moment. C'est pas bien. C'est pas terrible, terrible pour moi. Surtout que j'ai aucune idée de l'endroit où je dois aller. Oui, c'est tendu, mais je l'ai dit dès le début, ce stream est tout en tension, ce jeu est tout en tension. Trop de tension, bordel de schnitzel. Pourquoi j'examinerais ça, franchement? Alors, ceci dit, il y a des trucs à trouver, des clés, des codes, parce qu'il y a un coffre-fort à l'étage que je n'ai pas réussi à ouvrir. Il y a plein de trucs, donc ça me fait des petites missions parallèles, mais c'est pas ultra glam, hein. Prends ça. Vas-y, mon petit gars. Mets ça là-dedans. Non, mais je t'explique. Regarde. Hop, hop. Pas qu'elle arrive tout de suite, la pépette. Voilà. Et maintenant, tu allumes ça. Oui, il faut faire beaucoup de manips. C'est assez douloureux. Mais voilà, c'est payant. Crac. Alors, des fois, en plus, on se gourde de touches. Où qu'elle est, je l'entends, mais je sais pas où elle est. J'ai pas une autre issue pour me barrer, moi.
Ça, c'est un cul-de-sac. Ça, c'est fermé. Et j'ai pas de clé, de toute façon. Voilà, connasse. Cours, cours, Forest. Cours, cours, cours. Putain, tu peux pas aller plus vite? Non, mais sérieux, assure. Moi, je serais déjà de l'autre côté de la baraque, hein, je te le dis tout de suite, mon gars. Elle me suit, je le sens. Bon, les placards, je vais éviter. Où qu'elle est? En plus, il y a des fois des glitches. Pépette. Joue pas, pas avec moi. Il y a la porte qui s'est fermée là-bas. C'est pas supra, supra bon signe. Il y a moyen que je me fasse de... dessus. Cours. Clac. Ça, c'est check. S'occuper. Je vais fermer celle-là. N'ouvre pas la porte, hein. Tu sais pas ouvrir les portes, ça serait la bonne nouvelle. Non, je crois pas qu'elle sache ouvrir les portes. Elle sait les fermer, par contre, la coquine, hein. J'attends que ça se barre. Elle est là. Elle est dans le carrelage. Regarde-moi ce vilain glitch. Je vais l'éblouir jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Non mais moi je bouge pas les gars. Si vous croyez. Mon briquet va s'éteindre, ça va être juste glamour. Elle est là, elle est pas de l'autre côté. Je peux me tirer. Cours, Forest, cours. Les placards, c'est pas mes potes apparemment. Je sais pas du tout où aller me cacher. Kitty Squinsud, elle m'enferme. Petite fille. Tu veux pas aller au frigo me chercher une cuisse de poulet? C'est rouvert, c'est rouvert. Voilà la ville d'une petite fille. Il y a des super bruits là, j'aime pas. Oh putain, faut la réparer. Où qu'elle est la vilaine? Ah, je peux même pas ramasser ça.
trace, gros, trace, 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 trace. Ne te laisse pas influencer. La peur tue l'esprit. Oui, enfin bon, il n'y a pas que la peur qui tue l'esprit. Elle passe à travers les murs, elle passe à travers le sol. Petite garce. Bon, je crois que je l'ai semé, la musique s'est calmée. Est-ce que je peux y aller? Alors, l'histoire de passer à travers les étages comme ça, c'est pas très cool. Comme si j'avais pas déjà assez d'ennuis. Un placard là-bas, j'y vais pas. Du coup, j'ai plus rien. Oh purée, le briquet vient de se... Ça va mal se terminer. On va jouer à cache-cache avec la petite hein. Elle est pas là-haut. Je vais essayer de changer de briquet. Ouais, je dis bien essayer parce que c'est avec ce jeu, c'est jamais garanti quoi d'y arriver. Oh, c'est pénible. J'arrive pas à utiliser ce que je veux. Et le temps passe. Les pépettes rôdent. Et je ne suis pas du tout tendu. Il me faut absolument ces pilules. Je vais faire un malaise. Alors, voyons voir. Oui, bah, j'aimerais bien le dropper. Putain, cette interface faite avec le HUC. Aïe, 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 aïe. En plus, elle se met à déconner maintenant. Ce qui fait que quand je me déplace dessus, il n'y a plus rien qui marche. Je suis déception, je suis... J'essaie de me détendre. C'est pas le bon moment. Pourquoi mon interface ne marche plus? C'est ouf ça. Bon, on va dire qu'elle a pas envie et qu'elle veut me laisser absolument avec un flash comme une compagnon quoi. Cette porte a l'air super sympa. Et je ne peux même pas l'ouvrir. C'est dommage, il y a quelqu'un qui m'attend derrière. De toute façon, c'est juste l'autre côté du couloir. Il faut vraiment que je prenne mes pilules. Je suis en train de partir en live. Là, il y a l'icône du cerveau qui s'allumait. Et mon menu dynamique ne veut pas marcher. Putain de bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ce bug encore? Je vous préviens, je vais courir dans pas longtemps. Pour les gens qui sont coursophobes. Allez, casse-toi vite. Pourquoi j'ai un bug ici, bordel? Non, le jeu a bugué. Alors, c'est moche. Je vais arrêter le stream. Enfin, je vais arrêter cet enregistrement. On y voit bien, hein. Je suis où? Bon, mauvaise idée de passer dans le noir qu'on n'a rien pour s'éclairer. Et que le menu bug. Oh là là, alors je rappelle, je suis en alpha. Hein. Ça se voit? Oui, bah ça se voit plus que voir. Hein. Et je vais être obligé de relancer une partie, c'est ça qui est naze. Alors on va se faire une sauvegarde. Save game. Hop, hop, yes. Et puis je vais relancer le jeu parce que là je crois qu'il m'a fait vraiment de la merde, comme diraient nos amis canadiens, un tabernacle et hostie d'autres contrées étrangères où il fait moins 40 livres. Si ça c'était pas bien dit, je coupe le stream et je le relance aussi sec derrière. Je coupe le stream. Tu fais de l'asthme toi aussi?